Salut à tous, c'est Eric Le Gaucher Galago Music. Voici enfin pour vous la suite et fin du tuto sur River Flows In You de Yiruma. Un grand merci à tout le monde d'avoir été aussi patient. J'espère du coup que le contenu sera à la hauteur de vos attentes. Et juste avant de démarrer, si la partage vous intéresse, n'hésitez pas à aller consulter le site Quick Partition. Je vous ai mis le lien dans la boîte de description. Ça vous permettra certainement de suivre les choses avec un peu plus de facilité. Allez, mettons-nous au clavier et je vous montre comment on joue tout ça. Alors comme d'habitude, repère ici le petit point bleu qui vous désigne où se trouve le dos du milieu. Et sachez qu'à partir de cette vidéo, je pourrai désormais, grâce à une deuxième caméra, vous faire des plans de coupe où je vous parle directement. C'est quand même pas mal, hein? Nous allons donc reprendre notre étude là où nous nous étions arrêtés la dernière fois et nous allons entamer la mesure 9. Nous irons jusqu'à la mesure 20 et arrivé ici, vous pourrez jouer à peu près 90% du morceau. Il restera des petites variations à droite à gauche, mais franchement, vous pourrez jouer ces 20 mesures en boucle et ça marchera très bien. Alors les mesures 9 et 10, elles vont sonner comme ça. Et là, j'ai été jusqu'au premier temps de la mesure 11. Alors, on va se faire comme d'habitude, mains séparées. À la main gauche, on va démarrer sur un Fa dièse. D'accord. En fait, on va retrouver ce qu'on avait déjà vu dans la mesure 5, si jamais vous vous souvenez. Ça donnait ça. Fa dièse, Do dièse, Fa dièse. D'accord. Deux croches noires. Ensuite, on va se déplacer sur le Ré avec le petit doigt. Et on va faire Ré, La, Mi, Ré. Voilà, avec ça, vous savez faire toute la mesure 9. Donc, Fa, 3, 4, 1, et 2, et 3, et 4, et. Cool. Et maintenant, vous allez placer la pédale en faisant comme ça. 1, et 2, et j'appuie le Ré, hop, je change, et je rappuie tout de suite. OK ? 1, et 2, et 3, et 4, et. Une fois que vous avez fait ça, on va déplacer le petit doigt sur un La, encore en dessous, et on va chercher La, Mi, Do dièse avec le pouce. Pour aller choper cette note-là, il ne faut pas partir avec le pouce qui sort du clavier. De toute façon, ça, vous ne le faites jamais. Vous conservez toujours le pouce dans les touches, et là, pour le coup, vous allez chercher un petit peu en diagonale, pour éviter comme ça et d'avoir à faire un mouvement de tiroir qui vous ferait perdre en précision. Donc genre La, Mi, Do dièse, Re La, au petit doigt. Ça, c'était les deux premiers temps de la mesure 10. La, Mi, Do dièse, La. Ensuite, on remonte le petit doigt sur un Mi et on va chercher Mi, Si, Mi. Voilà. Je vous refais encore une fois cette mesure 10. 1, et 2, et 3, et 4, et. Je vous fais les mesures 9 et 10. Fa dièse, Do dièse, Fa dièse noir. Ensuite, Ré, La, Mi, Ré. Mesure suivante. Mi, Do dièse, La, Mi, Si, Mi. Voilà. Donc ça, par exemple, ces deux mesures, vous les bossez en boucle jusqu'à ce que vous puissiez vraiment les connaître par cœur. Il n'y a que comme ça que vous arriverez ensuite à mettre les mains ensemble sans qu'il y ait trop de casse. À la main droite, mesure 9. On va faire ça. Alors, la première attaque est intéressante. On va mettre déjà le pouce sur un La qui se trouve au-dessus du Do de milieu, celui-ci. Donc La, ensuite Do dièse avec le 2. Et on va tirer le petit doigt jusqu'au La. Le La, Do dièse, là, on va le faire vraiment très court. Ce qui compte, c'est d'arriver correctement sur le petit doigt. Vous voyez, le La, Do dièse n'a pas vraiment d'importance. Il est là pour faire joli, en quelque sorte. On va faire donc, une fois que vous êtes arrivé là, Sol dièse La, La, Sol dièse La, La, Mi, La. Ok, encore ça. La, Do, La, Sol dièse La, attends un petit peu. La, Sol dièse La, on attend un petit peu. La, Mi, La, ensuite La, Ré, La. D'accord, et là on a fait toute la mesure 9. Donc je compte à la croche, 3, 4. La, Do, La, Sol, La, La, Sol, La, La, Mi, La, La, Ré, La. Encore. La, Do, La, Sol, La, La, Sol, La, La, Mi, La, La, Ré, La. D'accord. On va mettre tout de suite mains ensemble, dès que vous avez bien travaillé cette main droite. Et ça va donner ça. Pour l'instant, sans pédale. Donc, ce qu'il faut, c'est faire partir le La, Do tout seul.
Et quand le La petit doigt arrive sur sa note destination, la main gauche tapera son Fa dièse pour que ça puisse donner. D'accord? Je refais. 2 et 3 et 4 et 1. One again. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Ok, encore une fois, et on finit cette mesure. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Voilà. D'accord, je vous le refais une petite fois encore moins vite. Ce qu'il faut bien repérer, c'est que la main gauche souvent va jouer tandis que la note de main droite reste enfoncée. Sol dièse La, Fa dièse main gauche, La. Sol dièse, La, Ré main gauche, La, La et Mi ensemble, La, Mi tout seul main gauche, La, Ré, Ré, La. D'accord ? Je vous refais la même chose avec un petit coup de pédale. Vous la changez quand le petit doigt de main gauche joue le Ré, comme on avait dit tout à l'heure. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Vraiment pas vite. Alors, à la main droite, ce qu'il va falloir faire, c'est si do dièse sur le premier temps. Vous voyez, je fais partir en fait les deux doigts ensemble. D'accord ? Et il n'y a que le 3 qui reste enfoncé. Ou alors, vous pensez que c'est d'abord l'index et le majeur qui arrive juste après lui. Donc, si do dièse, je vais passer le pouce en dessous pour jouer le Ré. D'accord ? Si do dièse. Ré, Mi avec le 2, Do dièse, petit doigt, Si et Mi. D'accord ? Si, Do dièse, Ré, Mi, Do dièse, Si, Mi. Ok ? Avec la main gauche, là on n'a que des croches aux deux mains. La main gauche, elle faisait La, Mi, Do dièse, La, Mi, Si, Mi. Donc, mains ensemble. Vous le bossez jusque-là. Avec un petit coup de pédale maintenant. Et, deux, et, j'appuie, je change. D'accord ? Une dernière, et je fais la fin. Alors, qu'est-ce que j'ai fait à la main droite ? Alors, ça, c'est le truc pas fastoche. Faut taper Mi Si avec pouce 4. On va jouer le petit doigt juste après. Ça, c'est pas une articulation facile, 4 et 5. D'accord ? Et puis, La, Sol dièse. Et le premier temps de la mesure 11, ce sera de taper Mi et La. Donc, Mi. Voilà. Et ça, ça partira quand la main gauche joue son pouce sur le Mi. Voilà, je vous refais toute la mesure 9. Toute la mesure 10, pardon. Je change la pédale. Voilà. Je vous refais les mesures 9 et 10. Et on enquille sur la suite. Vraiment pas vite. Donc mesure 11, on voit déjà la main gauche. Donc, mesure 11 et 12, ce sera même mieux. On va faire Fa dièse, Do dièse, Fa dièse, 5 de pouce, Fa dièse, Do dièse, Fa dièse, je le tiens. Ensuite, Ré, La, Mi avec le même doigté. Et ça, c'était la mesure 11. Fa dièse, Do dièse, Fa dièse, La noire. Ensuite, Ré, La, Mi. Ensuite, mesure 12, vous allez vous déplacer jusqu'au La. La, Mi, Do dièse, et ensuite Mi, Si,
Voilà. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et cool. À la main droite, on va donc trouver mi la, premier temps de la mesure 11 avec poussée 3. Ensuite, je vais me déplacer vers la gauche et jouer avec l'index la si do dièse, d'accord, index 3, 4, la, si, do dièse, mi, la, do dièse, ré, mi, ça c'est le premier temps de la mesure 12, la, si, do dièse, mi, la, do dièse, ré, mi, ouais, les mains ensemble, mi la premier temps main droite, fa dièse premier temps main gauche, avec la pédale, 1, et, 2, et, 3 et 4 et 1. All right? Une petite dernière et on fait la mesure suivante. J'aurais fait une dernière fois, pardon, cette mesure 11 plus le premier temps de la mesure 12 et je vous reprendrai directement la mesure 12 ensuite. Donc, mi la main droite, fa dièse main gauche. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Voilà, donc mesure 12, on a vu que la main gauche faisait la, mi, do dièse, et ensuite mi, si, mi. Ok, à la main droite, on va trouver, on va faire mi petit doigt, mi au pouce, do dièse avec le 3, suivi de ré, do dièse, si. D'accord ? 1 et 2 et 3, et on fera à la fin la, si, la, sol dièse, la. Ha! Ah, c'est le passage qui va devenir un petit peu sympathique. Vous savez, c'est le truc quand ça fait... Ok, donc là, vraiment, on va avoir tout un débit continu de double croche à la main droite. Je vous refais une dernière fois cette mesure 12, main droite. Mi, mi, do dièse, ré, do, si, celle-là, elle est longue, et la, si, la, sol dièse, la. Bon, mains ensemble. Mi, main droite. La main gauche. 1, mi, mi aux deux mains, do dièse aux deux mains, ré, do, si main droite, mi main gauche, j'appuie, je change la pédale. Si, et quand je tape le mi main gauche, c'est là que je vais démarrer mon petit groupe. Très sympa. Ah, 1 et 2 et j'appuie, je change la pédale. La, si. La, sol, la. Voilà. Et le premier temps de la mesure 13, c'est de taper la au petit doigt et fa dièse, main gauche, au petit doigt également. Je vous refais donc les mesures 9 à 12 et on entamera la suite et fin. Alors avant d'essayer d'enchaîner ne serait-ce que 4 mesures, soyez bien sûr que vous connaissez les mains séparées par cœur. Vraiment, ça aide. Je répète toujours la même chose, hein, j'ai l'impression, mais en même temps, ce sont des conseils qui sont récurrents et très populaires hein, parmi les profs de musique, il faut le savoir. Alors allons-y. Donc, mesure 9, c'est là où on a le la do dièse, on jouera le la au petit doigt, et c'est là que la main gauche tapera son fa dièse, premier temps, mesure 9. 3, 4. Main gauche. Mesure 11. La, si, do dièse. Et nous y voilà. Ok. Alors à partir d'ici, même si la main droite, elle fait un débit vraiment un petit peu plus rapide que ce qu'on avait l'habitude d'avoir jusqu'à présent, eh bien c'est peut-être le passage qui est moins embêtant que le reste, étant donné justement que c'est bien carré. Donc à la main droite, on n'aura quasiment que des doubles, et à la main gauche, que des croches. Donc mesure 13, main gauche, ça va donner ça. Fa dièse, do dièse, fa dièse, fa dièse, ré, la, mi, ré. Voilà, on retrouve quasiment note pour note ce qu'on avait dans les mesures 5 et 9. Si ce n'est qu'il n'y a pas d'arrêt. Donc, fa dièse, do dièse, fa dièse, fa dièse au petit doigt, ça là, on ne l'avait pas tout à l'heure. Ré, la, mi, ré. Ok, encore. Fa dièse, do dièse,
Fa dièse, Ré, La, Mi, Ré. Ensuite, La, Mi, Do dièse, La. Voyez, vraiment, on retrouve le même schéma que ce qu'on avait eu précédemment. Et on terminera la mesure 14 par Mi, Si, Mi, Mi. Voilà. Donc, mesure 13 et 14, main gauche. À connaître par cœur, pareil. Fa dièse, Do dièse, Fa dièse, Fa dièse, Ré, La, Mi, Ré, La, Mi, Do dièse, La, Mi, Si, Mi, Mi. Voilà, et toutes les quatre croches, donc hein, vous levez le pied et vous changez la pédale. Une fois que vous avez bien votre main gauche ici, vous serez content, puisqu'on va retrouver la même chose sur les deux mesures suivantes. Donc ça, c'était les mesures 13 et 14, main gauche, la main droite. Je vous la fais juste un petit coup pour que vous l'entendiez bien, en prenant la fin de la mesure précédente, à savoir la mesure 12, qui donnait la, si, la, sol dièse. Premier temps de la mesure 13, c'est ce là. Une fois que vous l'avez joué, vous allez faire la, mi, la. Et on refait la, si, la, sol dièse. Re, la, la. Mi, La. Et à nouveau, La, Si, La, Sol dièse. Avec ça, vous avez fait toute la mesure 13. Je vous reprends directement ça sur le premier temps. Donc, quand on tape le La au petit doigt. La, La, Mi, La, La, Si, La, Sol, La, La, Mi, La, La, Si, La. À la limite, vous le faites tourner en boucle. Voilà, déjà ça, c'est bien. Alors, au niveau du doigté, vous avez repéré, je démarre avec un petit doigt, pouce, 2, pouce. Après, je reprends impérativement avec le 4, parce que sinon, j'ai plus de doigts pour faire le si. Et dès que j'ai joué ce sol dièse, je replace le petit. Voilà, parce que ça repose un petit peu, ça fait un grand écart, autrement, c'est pas forcément évident de le tenir. On va essayer de mettre ça mains ensemble. La main gauche, elle avait donc fa dièse, do dièse, fa dièse, fa dièse. C'était les deux premiers temps joués en croche. À la main droite, on va trouver des doubles croches. Donc on mettra deux notes de main droite pour une seule de main gauche. Ça va donc donner ça. Fa dièse main gauche, la petit doigt. Premier temps de la mesure 13. La, la. Do dièse main gauche, mi main droite. La tout seul. Fa dièse main gauche, la main droite avec le 4. La, si. Fa dièse main gauche, la main droite avec le 4. Suivi du sol dièse. C'était les deux premiers temps de la mesure 13. Sol. Et ça, par exemple, vous le faites tourner en boucle déjà. Et je le refais. C'est le passage trop cool. Une fois qu'on le sait, vraiment, c'est super agréable. Ok, on fait toute la mesure 13. Donc, ça commence pareil. Donc, je refais ce qu'on vient de jouer. 2 et 3. Ensuite, la main droite rejoue pareil, mais la main gauche descend sur Ré. La et Mi pour faire. Voilà, et moi je serai vous, je rejouerai cette mesure 13 en boucle. Une dernière fois. Ok, une fois que c'est bon, la main gauche, on a dit qu'elle faisait La, Mi, Do dièse, La, mesure 14, suivi de Mi, Si, Mi, Mi. Bon, à la main droite à ce moment-là, on va placer, donc la dernière note de la mesure précédente, c'était un sol dièse avec le 3, on va placer le pouce en dessous, comme ça, d'accord? On ne tourne pas le poignet, jamais, quand on passe le pouce, d'accord? Et je vais faire La, une petite gamme sympa, La, Si, Do dièse, Ré, Mi, Do dièse, Si, La, Sol dièse un peu plus long, Si un peu plus long. Et on reprendra La, Si, La, Sol, La. Et là, c'est trop bien, puisqu'on rejouera la même chose. Alors donc, mesure 14, La main gauche. Et donc, c'est le moment où le pouce est passé en dessous et va taper le La en même temps. Ça va donc donner ça. La, Si, Do dièse main droite, Mi main gauche. Ré tout seul, Do dièse main gauche, Mi main droite, Do dièse tout seul, Si main droite avec la main gauche,
le La tout seul. Je vais taper Sol dièse avec le 3, je le passe par-dessus à la main droite. Et je vais jouer le Mi à la main gauche en même temps. Et on jouera Si Si. Ok, on a presque fini la mesure 14. Je la refais. La, Si, Mi, Do dièse, Ré, Do dièse, Mi, Do dièse, La, Si, La, Mi, Sol dièse. D'accord ? Encore. La, Si, Do, Ré, Mi, Do, Si, La, Sol dièse, Si, Si. Ensuite, La, Si, La, Sol dièse. Et on rejoue la même chose une deuxième fois d'affilée, à savoir La, main droite, Fa dièse, main gauche. Exactement comme la mesure 13 à 14. Puis là, le petit changement à la fin de la mesure 16, c'est au lieu de faire que ça, on va faire. Voilà, c'est ça qui change. À la main droite, La, La, Si, La, Sol dièse. Okay? Et c'est ce nouveau petit système, là, le petit tap, qu'on va trouver dans les mesures qui suivent. Mais là, on a fait vraiment le plus difficile. Hein. La fin, en gros, c'est que de la répétition avec ce petit bidule de main droite en plus. Je vais vous rejouer tout pareil de la mesure 13 à la mesure 16 et on sera quasiment rendu au bout de nos efforts. Donc mesure 13, c'est La, main droite, Fa dièse, main gauche. Mesure 15. Prenez votre temps entre ces deux-là, et puis c'est là que donc là, on va attaquer la fin, les quatre dernières mesures, les mesures 17 à 20. La main gauche va rejouer quasiment pareil que tout à l'heure, mais certains écarts qu'on avait, notamment genre début de mesure 13, Fa dièse, Do dièse, Fa dièse, Fa dièse, ça, ce sera rejoué une octave en dessous. Donc genre, Fa dièse, donc mesure 17, hein, Fa dièse, Do dièse, Fa dièse, Fa dièse. Après, on fait comme tout à l'heure, on rejoue le Ré en remontant. Ré, La, Mi, Ré, et ensuite c'est pareil que tout à l'heure, La, Mi, Do dièse, La, et là ça change encore, au lieu d'aller chercher le Mi au-dessus, on va chercher le Mi en dessous, ça file un peu plus de corps, Mi, Si, Sol dièse, Mi, voilà, c'est là qu'il ne faut pas se gorer. Je vous refais les mesures 17 et 18, main gauche, Fa dièse, Do dièse, Fa dièse, Fa dièse, Ré, La, Mi, Ré, La, Mi, Do dièse, La, Mi, Si, Sol dièse, Mi. D'accord ? Donc ça, pareil, vous le bossez en boucle. Jusqu'à ce que, voilà, vous l'ayez bien dans les doigts. Et on va reprendre maintenant la main droite. Ça va ressembler très très fort à ce qu'on a depuis la mesure 13. Avec ce petit changement en fin de mesure. Alors, ça va donner ça, mesure 17. La, Mi, La, Mi, La, La, Si, La, Sol dièse, La, et oui, c'était là. Et encore, La, La, Si, La, Sol dièse. D'accord ? Mesure 17 encore. La, Mi, La, Mi, La, La, Si, La, Sol, La, Mi, La, Mi, La, La, Si, La, Sol dièse, mesure 18. On repasse le pouce sur le La en dessous, par-dessous, là, comme ça. La, Si, Do dièse, Ré, Mi, Do, Si, La, Sol dièse. Vous prenez votre temps là-dessus et refait. La, La, Si, La, Sol. Et là, on rejouera la même chose. Voilà, c'est quasi pas fini.
Mesure 17. La, la, mi, la, 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 si, la, sol dièse. La, la, mi, la, 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 si, la, sol dièse. La, si, do, ré, mi, do, si, la, tranquille. Plaf. Et la, la, si, la, sol, la. Etc. Mesure 17, mains ensemble. La main gauche faisait donc fa dièse, do dièse, fa dièse, fa dièse, suivi du ré au-dessus, tout ça, tout ça. Mains ensemble. D'accord, donc encore ça, mesure 17, la, je vous dis les notes de main droite, la, la, mi, la, 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 si, la. Vous voyez, on rejoue la main gauche quand la main droite joue le La, suivi du Sol dièse tout seul. La, La, Mi, La, 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 Si, La, Sol dièse. Ensuite, Ré main gauche, la main droite. La, La, Mi, La, 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 Si, La, Sol dièse. Okay. Ensuite, je passe mon pouce en dessous sur le La et je vais chercher la main gauche. La, Si, Do, Ré, Mi, Do, Si. La, Sol dièse, prenez votre temps ici entre ces deux, et La, La, Si, La, Sol dièse. Et voilà une nouvelle séquence à bosser en boucle, les mesures 17 et 18. Génial. On fait la fin, les mesures 19 et 20. Donc, mesure 19, on va retrouver ce qu'on avait à la mesure 17, note pour note. Donc, la main droite, fa dièse, main gauche. Et on termine donc, la, si, do dièse, ré, mi, do, si, la, sol dièse. On prend bien notre temps, toujours entre ces deux notes-là. Et voilà la fin de séquence. Je vais passer mon 3 par-dessus, donc on est mesure 20, sur un Sol dièse, tandis que ma main gauche jouera Sol dièse également. Et on s'arrêtera comme ça. Et après, on retrouvera ce qu'on avait au début de morceau, mesure 9, à savoir. Voilà, et là, vous pouvez justement récupérer le texte qu'on a vu dans cette vidéo et vous faites tourner en boucle tout ça. Donc, je vous fais la démo depuis la mesure 9 jusqu'à la mesure 20. Attention, le grand frisson, mesure 13. Voilà les petits changements. La, si, la, sol dièse, la. La, la, si, la, sol dièse, la. Et on ralentit un petit chouïa pour indiquer que c'est une fin de section. Tac. Et ensuite, c'est comme si vous rejouiez depuis la mesure 9.
C'est là qu'il y a des tout petits changements et tout ça, mais honnêtement, vous pouvez le jouer tel qu'on a vu sur ces 20 premières mesures, et votre public sera ravi. Eh bien, écoutez, voilà, j'espère que les explications étaient claires, que le tuto vous a plu, qu'il était agréable à suivre. Pour ça, n'hésitez pas à commenter, laissez un petit pouce bleu, petit partage à vos amis, ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous donne rendez-vous très vite au détour d'un prochain tuto. À bientôt, ciao.